À quoi ressemble aujourd'hui le bébé brésilien qui était devenu viral quelques secondes après sa naissance? Isabella Rocha, 4 ans, a fait les gros titres le 13 février 2020 après avoir refusé d'obéir à l'obstétricien qui essayait de la faire pleurer après la naissance, signe que les poumons fonctionnent. Au contraire, elle n'a pas été impressionnée et a jeté un regard noir au médecin qui lui demandait de pleurer avant de couper le cordon ombilical. Ce moment mémorable a été pris en photo et est instantanément devenu un mème. Dans une récente interview accordée au magazine brésilien Crescer, sa mère a admis que la famille n'avait jamais pensé que les photos rendraient sa fille aussi célèbre. Rocha a vu la célèbre photo mème et s'est même demandé pourquoi elle était en colère à ce moment-là. Mais sa mère n'a pas donné de réponse. La vie quotidienne de Rocha consiste à fréquenter une garderie et à participer à des activités parascolaires. Elle aime l'école et ses amis, elle connaît les noms de tout le monde, a déclaré Barbosa. Rocha possède également son propre compte Instagram, que sa mère nettoie parfois à cause de commentaires négatifs.